Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà déjà Fifi qui passe devant la caméra, merci. Courrier, et tout à l'heure vous aurez un tuto. Je sais que j'ai pas fait de tuto depuis un petit moment, j'en suis désolée, mais je vous en ferai un juste après la vidéo. Voilà, il n'y a pas, il faut que je vous en refais, puis même moi, ça me fait du bien de bricoler. Bon, malgré que le moral revient un petit peu à la fois, hein, ça n'y a pas de souci. Là, je suis morte, lessivée. Je viens d'aller dans un endroit où j'avais rendez-vous, où il y avait un monde fou. Et je ne sors presque pas de ma maison maintenant, depuis quelques mois. Et à part pour aller chez le kiné, le médecin, la pharmacie, hein, voilà, tous les trucs vraiment glamour. Et là, il y avait un monde. Et j'ai eu des crises d'angoisse, j'étais complètement bloquée là, j'avais une boule, ça. Enfin, bon, c'est rien. Fifi, là. Merci. Là. Voilà, c'est bien. Alors, courrier. Alors, je ne vais pouvoir vous montrer qu'un seul courrier, parce que, voilà. Moi, j'étais pas là, mais mon mari était là. Ma porte est juste en face des boîtes aux lettres. C'est vrai que c'est compliqué de venir frapper à la porte. Alors, non, tiens, je m'aperçois que c'est pas un, mais deux. Voilà, alors j'ai deux colis. Donc, il doit y avoir celui, le tien, Michel, certainement, dedans, et un autre. Bon, ben, je les aurai demain, hein, j'irai les chercher à la poste. Oh là là, c'est vraiment... Ici, les facteurs, c'est une vraie plaie. Et en plus, on a quand même des grandes boîtes aux lettres, mais bon. Et je vous dis, moi, les boîtes aux lettres sont là, ma porte est là, tout, juste en face. Mais bon. Donc, bah, je vais vous montrer qu'un seul courrier. Voilà, désolé, bah, vous verrez le reste demain. Hein. là, il vient de Cindy. Voilà. Alors, Cindy, j'ai reçu ton paquet. Alors, j'ai déjà ouvert là, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais. Enfin, je devine, voilà. Alors, on va ouvrir, hop, ah, voilà, c'est du action, youpi, du action, du action, du action. Alors, déjà, il y a un petit mot, ma belle Edith, c'est vrai, je suis belle. Oh, c'est moi la plus belle. Pour aller danser. Allez, on va l'ouvrir. Elle est très très belle déjà. Regardez, voilà, avec un joli tamponnage. La vie est faite de petits bonheurs. Ah oui, en ce moment, c'est vrai que tous les jours, je reçois des petits bonheurs dans ma boîte aux lettres et ça me fait très 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 plaisir. Alors, oh. On sait que j'aime les papillons, il est super beau. Chouette. Alors, ben, mes douleurs, ça dépend des moments. Hein. Alors, mes douleurs hier, c'était pas les douleurs qui m'ont empêché de dormir. J'ai quand même dormi dans le canapé, parce que je ne voulais pas embêter mon mari. C'était mes acouphènes. Youpi! Ça, je croyais que j'avais deux TGV dans chaque oreille, tellement que ça faisait un bruit incroyable dans mes oreilles. Ça m'a pris la tête, du coup je suis partie dans le canapé et comment? Je me suis endormie du coup dans le canapé, mais assez tard. Et mon mari s'est levé vers 6 h, donc il m'a dit, allez, hop, retourne au lit. Donc je suis retournée au lit. Bon, j'ai endormi à moitié 2 h, on va dire 1 h, parce que j'avais encore la voisine du haut qui gueulait sur ses gosses à 7 h 30 du matin. C'est une vraie plaie aussi, celle-là. Bon, soit, on dormira mieux ce soir. Ce soir, c'est sûr, je vais faire de l'autre bonheur. Alors. Donc, elle m'a mis des dice de Noël et des blocs 15-20. Elle me fait des gros bisous. Dadada. Voilà.
Et je sais qu'elle va me renvoyer donc des autres blocs parce que je crois que c'est elle, bah oui. Elle a réussi à trouver les blocs de Noël. Donc elle m'a demandé si je les voulais. Et donc elle va me les envoyer. C'est génial. Alors, d'abord, les dies et tampons de Noël. Super. Voilà. Alors, donc, bon, vous les connaissez maintenant, hein? Le sapin. Le bonhomme de neige. Alors celui-là, j'adore. Il est trop mignon. Ça va pouvoir faire mes cartes de Noël. Youpi! Les boules de Noël. Et le Père Noël. Voilà. Alors bon, je sais que je peux déjà commencer parce que j'ai ma petite poulette qui m'a envoyé les tamponnages avec ça. Mais bah, du coup, je pourrais en faire plus. Voilà. C'est super. Et elle m'a envoyé les blocs 15-20. Alors celui-là d'abord. Voilà. Moi, je vais vous les montrer si vous ne les connaissez pas. Alors, on va faire dans ce sens-là. Ça ira mieux. Alors, attends, je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, je crois qu'il y en a 4 de chaque à chaque fois. Ouais. Voilà. Sont super beaux. Ils sont de plus en plus beaux, je trouve, les blocs d'action. Ils font de beaux efforts. Quand ils en font, faut le dire. Quand ils font de la merde, il faut le dire aussi. Parce que de temps en temps, ils en font. Hein. Je sais, bah, avec cette histoire de les tampons là, avec les encres, je sais que ça c'est pas bon du tout. Voilà. Ah non, fille! Mais oh, range ta queue, merci. Et le dernier, comme ceci. Voilà. Le deuxième qu'elle m'a envoyé, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi si vous ne le connaissez pas encore. Et moi, ça me permet de le découvrir, hein, en même temps que vous. C'est beau cela, les cœurs. Oh, les plumes sont très jolies. Ça aussi, ça va me permettre de faire de jolies cartes. Flèche. Oui, il est beau celui-là. Un peu plus difficile pour faire une carte, puisque là, il vaut mieux l'utiliser en entier. Mais pourquoi pas faire une grande carte. Celui-ci. Voilà. Ils sont vraiment beaux. Ah oui. Et celui-là, je crois que j'en ai pas oublié d'autres. Non. Voilà. Ben, ils sont super beaux. Je vais pouvoir faire de belles choses avec. Là, de toute façon, on va remonter un petit peu, mais sans montrer ma tête. Ouais, non, je montre pas encore ma tête. Elle n'est pas belle. Ah, j'ai pas une belle tête. Non, je vais vous dire pourquoi je ne montre pas ma tête. Bon, au début, parce que je voulais pas qu'on me connaisse de visu ou qu'on me reconnaisse. Voilà. Et puis et également parce que j'ai actuellement, ça fait 2 mois que j'ai pas eu de rendez-vous, mais bon, je suis en très très grosse, j'ai des très gros soins dentaires en ce moment, et donc ben, je sais que la vidéo d'hier, on voyait ma bouche. Oh, j'ai pas fait attention, et c'est quand j'ai revisionné la vidéo une fois qu'elle était en public, je fais oh là 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 là, on voit la moitié de ma tête. Et donc j'attends que mes soins dentaires soient terminés pour avoir un joli sourire. Voilà. Alors peut-être qu'un jour, enfin, déjà quand ce sera fini, hein, c'est pas demain la veille parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir mes derniers rendez-vous. Il me reste 6-7 rendez-vous à avoir. Il n'y a pas moyen. Mais moi, je vais à la faculté dentaire de Lille. Hein, donc c'est l'école dentaire qui fait partie de l'hôpital. Il y a énormément de monde qui va, malgré qu'il y a énormément d'étudiants qui font les soins. Et c'est vraiment très très difficile pour avoir mes derniers rendez-vous. Donc je suis allée cette semaine pour essayer de voir l'étudiant qui s'occupe de moi. Donc depuis, il n'était pas là. Donc bah, si je n'ai pas de nouvelles, je vais y retourner la semaine prochaine. Hein, puis on va râler un petit peu parce que moi j'en ai marre. Hein. Même pour manger, c'est pas pratique.
Donc voilà. Bon, je vous raconte ma vie aujourd'hui. Ouais, bon. Alors dans le nord, il fait pas beau. Et nous, on a. Alors là, je les vois. Bon, je vais pas vous montrer en vidéo quand même. Oh, j'ose ou j'ose pas. Non, je vais pas vous montrer en vidéo parce que s'ils voient que c'est la police et s'ils voient que je les filme, j'ai pas envie d'avoir des soucis. Bon, je les ai déjà pris en photo. Hein. Depuis plus d'une semaine. Alors, nous, on a des travaux. La rue que l'on empruntait d'habitude, on a les travaux. Donc la rue, elle est là. Nos immeubles sont là et on a notre rue ici. Et comme cette rue-là était fermée, on a emprunté la deuxième rue qui est en sens interdit et qui est en plus une allée pour un passage pour les bus dans un seul sens. Mais on avait l'autorisation puisqu'ils avaient caché tous les panneaux de sens interdit. Et depuis une semaine, les travaux ne sont pas finis, puisque la route est toujours fermée. Et depuis une semaine, la police est là tous les jours, donc trois fois par jour, aux heures de pointe, hein, bien sûr, tant qu'à faire. Et ils arrêtent toutes les voitures, sans exception, qui prennent le sens interdit. Et procès à toutes les voitures. Donc ils sont entre, on va dire, les bonnes journées, ils ne sont pas loin des 200 procès par jour. Pardon. Les journées un peu plus calmes, ils sont à une centaine de procès par jour. Moi, je les vois, ils sont juste devant mes fenêtres. Donc, et en plus, c'est le pass ici, c'est là où ils se mettent, c'est le passage pour rentrer dans notre parking. Alors, je ne dis pas, des fois, c'est une galère parce que ça bouchonne. Et il faut rentrer les voitures sur notre parking. Donc, des fois, on n'arrive même pas à rentrer chez nous. Donc, c'est super, c'est génial. Et le plus, enfin, c'est pas le plus rigolo, c'est pour vous dire qu'ils ne sont là que pour faire du chiffre. Hier, je suis rentrée du kiné, donc moi j'étais dans le bon sens, hein, donc j'allais rentrer dans mon parking et j'ai vu une voiture qui déboulait, mais alors à fond la caisse, une voiture belge, du bout de la rue, donc dans le sens interdit, et qui est passé au pied des flics, mais alors à une vitesse, et qui a grillé le feu rouge, et là, attention, parce que nous, après le feu rouge, c'est l'autoroute, les flics n'ont même pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Par contre, la voiture qui était derrière, là, ils se sont mis au milieu de la route, et puis hop, allez, sur le côté, on te colle un procès. C'est grand n'importe quoi. Mais enfin, bon, j'ai fini de vous raconter ma petite vie. Je fais, oui, avec tout ça, j'ai pas fait un gros gros bisou à Cindy, ma belle, un énorme merci. Ta carte est super belle, elle va rejoindre toutes les cartes que je reçois. Je te fais un énorme merci, un énorme bisou. Tu es un chou, comme beaucoup d'entre vous en ce moment. Mais de toute façon, même, vous êtes toutes des choux à la crème. Plein de chantilly, de crème, tout. Ah. Et donc voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous faire de tuto aujourd'hui. Et puis je vais me faire disputer. Donc aujourd'hui, je pense que je vais vous faire un tuto Fimo. Parce que là-dessus, je suis en retard. Alors en Fimo, j'ai le numéro 5, le numéro 6. Mais je ne vous ferai pas les exercices de la semaine parce qu'ils ne me plaisent pas. Je vous les montrerai quand même, mais bon, ça ne me plaît pas. Donc ce n'est pas la peine que je fabrique un truc qui va rester ou qui va finir à la poubelle. Hein. Je ne vais pas user de la Fimo pour rien. Je vais vous faire un tuto. Alors je vais essayer de vous en faire deux. Deux. Un par rapport au fascicule. Et je vous en ferai un de moi. De moi, moi, moi. Voilà. Puis oui, voilà. Donc ouais, je suis en retard sur la Fimo. Je suis en retard sur mon grand album. Je suis en retard sur d'autres tutos que j'ai prévus, que j'ai pas encore fait. Mais promis, allez, je vais rattraper tout mon retard. Et vous allez avoir plein de vidéos à regarder. Voilà. Allez, bon bah Fifi s'est cassée. Hein. Elle est partie manger sûrement, je sais pas où elle est. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous fais des gros 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 bisous.
Je vous souhaite une excellente journée en espérant que vous avez un meilleur temps que nous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!